Donc là, nous avons ici le moule mini tartelette. Ça, c'est vraiment un best-seller chez Guy de Marle. Vous savez, ce moule est également dans le kit de démarrage. Donc, actuellement encore, il va changer au 1er février. Donc, on a un kit de démarrage pour les conseillères qui vaut 65 € avec la plaque alu, la toile de cuisson, le moule cubicube, la cuillère magique et la mini tartelette. Et ce kit peut bien entendu être gagné. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. C'est avec grand plaisir que je vous y réponds. Donc, ici, nous avons la... Nous avons nous avons notre pâte à burger. Ici, je l'ai faite vers 9h moins le quart, un peu un quart d'heure avant de commencer. Et salut Marie-Christine. Et nous allons donc sortir cette pâte du cul de poule en prenant le racloir et vous la sortez d'un seul coup. Surtout, ne mettez pas les doigts dedans, sinon vous allez rendre la pâte complètement, complètement élastique. Il me faut donc 30 petits burgers et ici nous avons donc notre pâte. Je vais venir diviser pour faire 30 petits burgers. Voilà, hop. Donc là ma pâte est un tout petit peu collante, c'est pour ça que je rajoute là d'abord un peu de farine pour éviter après d'en reprendre. Voilà, hop, on a déjà divisé en deux. Donc, deux, ça m'en fait 15. Voilà. Et je vais sur ma toile graduée. Bonjour Sylvie. Étaler environ à 30. Pour couper donc tous les 2 cm ma pâte et pour que je n'ai pas besoin donc de peser. Donc tous les 2 cm je découpe, ça m'évitera donc de peser ma masse et on va les façonner. Une fois que vous avez le coup d'œil, normalement, vous n'avez plus besoin de regarder forcément sur les mesures. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Et là, il m'en faut encore 5. 4. Vous voyez, là, je suis plus... Parce que la pâte est un peu élastique et elle va forcément s'étirer. Donc, ce n'est absolument pas grave. Hein, vous allez récupérer un peu. Hein. Voilà. Donc là, donc 2, 4, 5, 5, 10, 15. Voilà. Donc là, vous allez les prendre. Vous allez rouler la pâte dans la main. Et on va prendre le moule mini tartelette dans lequel vous pouvez faire aussi bien des tartelettes sucrées que salé. Donc tout ce qui est pour vos apéros, c'est absolument génial. Donc là, vous prenez vos boules de pâte, vous les roulez dans la main, donc la toile graduée. Donc là, ça vous donne une pâte bien lisse. La toile graduée est vraiment formidable pour ce genre de choses. Et des mini burgers, alors je vous assure, ça c'est le truc à pas poser sur la table. Alors là, ce ne seront que des jeunes, donc il n'y a pas de souci. Mais en même temps, si vous posez ça sur la table, je vous assure, vous n'avez presque plus besoin de passer à table parce que tout le monde va se jeter dessus. Alors, aujourd'hui, ce matin, nous avons dans le four un gâteau carotte. Nous avons mis une glace vanille en route et je prépare des mini burgers pour l'apéro. Voilà. Hop, j'en ai un petit. On récupère et on recommence. Voilà. Donc, bien avoir une boule bien lisse, ce qui vous permettra d'avoir après donc du beau burger. Hein. Donc là, je recommence. J'ai ma boule de pâte. Je vais ici l'allonger. Je vais l'allonger
environ à 30 cm. Ah oui, absolument. Hein, les croque quiches, les petites tartelettes, tartelettes au citron, tartelettes au chocolat, des petites pizzas. Je me rappelle quand on a commencé l'activité, et tu te rappelles certainement aussi, on faisait énormément de tartelettes au crabe et des petites pizzas. Et ça, c'est vrai que c'est top. Hein, c'est génial. Ah oui, la glace, c'est bon ça. Depuis que j'ai la Borealia, elle n'a plus quitté mon plan de travail. C'est vraiment incroyable. Et ce week-end, je vais essayer, donc, Marie-Christine, les fromages frais. Donc, tous les 2 cm, on découpe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, donc là, comme je vous disais avant, à un moment donné, votre pâte, elle s'étire. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez récupérer un peu et ça va faire l'affaire. De toute manière, ça se voit. Hein, ils doivent être réguliers, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Et si un des petits burgers fait un tout petit peu plus que l'autre, je pense que personne ne va vous en vouloir. Ah ouais, tu le fais aujourd'hui, Marie-Christine? Je vais justement commencer, là, tout à l'heure, à laisser cailler le lait pour mettre ça en route. Ça me donne trop envie. Tu m'as donné envie. Voilà. Il y en a 16. Ah, Cathy, est-ce que j'aurais mal compté? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, merci. Au moins, il y a quelqu'un qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais oui, merci Cathy. Tu es incroyable. Donc, allez, on va récupérer. Alors là, on va pas dire que le calcul, c'est pas mon fort. Hein. Voilà, donc là, merci pour les partages, c'est très gentil. Merci beaucoup. Donc là, on va toujours bien rouler donc la pâte sur la toile donc graduée. Hein. Ça, c'est vraiment un produit que je ne saurais que vous conseiller parce que quand vous étalez vos pâtes, quand vous faites vos brioches et ainsi de suite, c'est vraiment le produit dont on a besoin. Hein. Surtout que du coup, quand vous avez fini, vous ramassez tout, vous allez vers l'évier et c'est fait. Voilà. Donc là, on a de belles boules qui sont en train de se développer. Donc, comme j'allume le four, j'essaie toujours de faire tout ce que j'ai besoin de faire pour ne pas venir rallumer le four 2 heures après. Ça vous permet aussi de vous faire des économies. Merci beaucoup, Dominique. Merci, c'est gentil. Voilà. Donc là, on a ici 30 petits burgers. Si vous allez chez le traiteur acheter 30 burgers, eh ben je vous assure, vous les achetez, enfin, vous pouvez bien sûr les acheter, mais déjà, ils ne seront pas forcément faits du jour de là où vous les commandez et vous n'aurez absolument pas ce moelleux qu'on va donc arriver à avoir. Donc là, on va prendre du lait. On va bien les aplatir donc dans le moule pour qu'ils montent de manière droite. Nous allons là les garnir avec du lait, les garnir avec des graines. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci Françoise, c'est gentil. C'est aussi ça l'avantage des lives, c'est qu'on peut être partout en France et on peut suivre et vous pouvez même donc avoir une conseillère qui est loin puisque maintenant avec la boutique en ligne et tout, ça ne pose plus aucun problème. Donc là, on va avoir notre pinceau. On va déjà commencer par badigeonner du lait sur la première rangée. Nous allons prendre notre mélange de graines qui est bio et qu'on trouve sur la boutique. Hein. Donc, c'est vraiment un mélange qui est superbe.
Donc, qui est adapté pour vos pains, vos petits burgers, mais vous pouvez aussi le mettre dans vos salades. Hein, donc, ça, c'est vraiment très, très, très bien. Hop, on va mettre ça dessus et on va laisser lever le temps que notre gâteau aux carottes y cuise. Marie, c'est pas grave, vous pourrez regarder le replay parce que de toute manière, le live reste sur la page. J'ai commencé par mettre une glace vanille en route. J'ai fait le gâteau carotte et là, je suis en train de terminer donc mes burgers. Donc, des petits burgers qui serviront donc à un apéro. Alors aujourd'hui, ce n'est absolument pas pour nous, mais c'est pour mon fils qui a fait son premier achat d'appartement et qui emménage. Donc aujourd'hui, donc je souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur avec cette acquisition et dans cette nouvelle vie avec sa copine. Et voilà, donc on les gâte un peu au niveau du repas aujourd'hui pour qu'ils aient au moins ça en moins. Et moi, ça m'évite de porter des cartons. Je préfère leur faire à manger que porter des cartons. Donc voilà, je vais les gâter avec ça. De toute manière, je pense qu'il y a un temps pour tout. Ils seront bien mieux entre eux que si moi, je vais les aider à déménager. Voilà. Voilà, donc là nous avons la plaque mini tartelette. C'est un bon compromis, hein, Isabelle. Oui, surtout je pense à mon dos, tu vois. Donc ici nous avons la plaque mini tartelette. Donc vous allez utiliser donc pour des petites pizzas, des petites tiges, des tartelettes. Vous pouvez faire des petits florentins dedans. Je ne sais pas si vous avez vu Oriane et puis il y avait aussi quelqu'un d'autre qui avait fait des pims dedans donc cette semaine. C'est vraiment un produit de base. Alors je ne vais pas vous dire il le faut, mais c'est vraiment le produit. Je pense qu'il a vu passer des baptêmes, des communions, des mariages. Il travaille encore. Un moule comme ça, vous l'amortissez très, 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 très vite parce que finalement, si vous achetez un pack de petits apéritifs, vous en avez tout de suite pour 10-12 euros alors que le moule est à 46 euros, et une fois que vous l'avez utilisé 3-4 fois, il est amorti, payé, ça devient presque du jetable. Mais elles sont certaines. Ah bah oui, mais oui, c'est sûr Marie-Christine, c'est sûr, à mon avis ils vont être contents. Alors qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Je vais mettre du fromage frais, un tout petit peu de salade, un peu de saumon et un peu de jambon. Donc, histoire d'avoir un peu pour tout le monde. Mais je ne vais pas mettre quelque chose de chaud parce que ça va être un peu compliqué selon comment ils vont arriver comment ils vont arriver dans l'appartement. Donc, je préfère mettre quelque chose de froid. Je ne vais pas mettre de la viande. Je vais mettre du fromage frais, la salade, du saumon et du jambon. Et je vous remettrai une petite photo avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite, moi, une belle journée. Le gâteau monte. La glace est presque finie. Alors, je vais juste vous montrer.